Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est mon premier jour de congé et je vais bosser sur cette mob. Donc, moteur provisoire. Pourtant, ça lui donnait un bon petit look, mais bon, moteur provisoire. Donc j'ai bossé sur le carburateur. C'est un carbu que j'ai remonté entièrement avec des pièces de récup qui traînaient dans des boîtes. Donc j'en suis plutôt content parce que ça m'évite de redépenser une certaine somme d'argent. Et puis donc là je vais le pot d'échappement là, je vais plutôt privilégier le Gianelli. Faut que je m'occupe des freins aujourd'hui, donc je vais te montrer ce que je vais faire. Donc je tiens à tous vous remercier pour les retours positifs que j'ai régulièrement par rapport à mes nouvelles vidéos, les nouveaux montages que je fais. C'est juste que je me donne plus le temps de faire les choses. Et surtout, c'est un investissement. Hein. Si tu as du matériel qui te permet de faire des belles choses, des bons montages, notamment au niveau du logiciel. Là, actuellement, je filme avec un iPhone. Ça m'évite d'acheter une caméra qui est plus lourde et plus sophistiquée, plus compliquée, plus chère. L'iPhone fait bien le boulot, donc oui, ça a un coût, mais c'est toujours un coût moindre par rapport à une caméra. Bon, je vais faire un peu de travail sur la perceuse à colonne. Alors voilà ma mission du jour. En fait, les poignées là, je crois que je t'en ai déjà parlé précédemment. Les poignées là, tu vois, ici, c'est du 8. Voilà, ça c'est un raccord en 8. Et il faut que je perce tarodé en 10, pas de 1,25. Donc je vais faire ça à la perceuse à colonne pour être sûr d'être droit et puis pas aller trop profond. Donc je vais faire ça maintenant. Des bulles. Des bulles. Alors tu vois, Jérôme est à la rescousse parce que ça c'est vraiment pas mon trip. Hein. Les freins. Ça fait des bulles. Il est incroyable ce Jérôme. Oh, le t-shirt, regarde. Oh là là, le beau t-shirt. Regarde la casquette, regarde. Tout. Oh là, tout stachis, tout. Ça, c'est un vrai, ça. Donc, l'étape maintenant, la suivante, ça va être de placer ce ressort William Chulo sur la RCX. Je vais t'avoir rien. Quoi ? Donc, ici, tu fais un repère sur ton pneu, sur le zéro. Et puis tu fais un tour complet et tu regardes combien ça donne. Faut bien suivre le pneu. Voilà, bien suivre. Hein. Là, il est là. Voilà. Donc là, ça fait alors 1627 ou 28. Après, tu allumes ton compteur. Tu presses 1, 2. Voilà. D'accord. Donc là, on a 1614. D'accord. Ouais. Donc tu changes, voilà, et tu remets ce que tu as trouvé. Ok, il a mis 5 aimants, donc tu les retrouves ici, voilà.
c'est bien. Ouais, 84, 85. Donc ça répond bien, c'est très nerveux, malgré que le ressort soit un petit peu souple. Et donc, on va essayer avec ce ressort, là, voir ce que ça donne. Je pense qu'on peut gagner un peu en patate. Et puis donc, 92, c'est un 92 GPS, hein, finalement. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus, on n'a pas joué sur la transmission. Faut qu'on regarde ce que c'est comme pignon. C'est peut-être un 11. Je sais pas ce qu'il y a dessus. On va voir ce qu'il y a dessus. Il y a une bonne accélération. Dès que tu accélères, ça part tout seul. Il n'y a pas de latence. Ça fait pas comme un petit diamètre, en fait. Ouais. Bah, tu vois, moi, si je dois comparer au T6 Hersal, je préfère celui-là. Ouais. Parce que il est plus nerveux. Ouais, il est plus couplé, en fait. Voilà. C'est ça, le truc. Ouais. Donc, il y a quand même une vraie différence, quoi. Il y a un coup, je pense qu'il y a un coup préparé, ce machin, ça doit bien marcher quand même. Bah, on va le faire, de toute façon. Mais déjà, rien que stock, déjà, d'origine. Ouais. Ça marche pas trop. Moi, je dis que c'est bien. Ouais. Bon, alors, c'est vraiment nerveux. Hein. Je suis très ravi de ce moteur pour le moment. Il est nerveux, il monte vite en régime, enfin en vitesse, et tu sens tout de suite tout le temps la patate. Ouais, et le ressort est trop mou. Hein. Préviens de suite, je suis désolé pour le bruit de la tondeuse. Ça fait plaisir.